Bonjour, bienvenue à cette cinquième capsule sur six capsules, qui traitera des concepts et des différentes questions qui peuvent être soulevées en PFP. On va explorer un petit peu plus d'autres exemples de questionnement de finances personnelles. Pour y arriver, nous allons présenter d'autres concepts, d'autres prémices à la PFP qui sont importants lorsqu'on fait une planification de retraite, des interrogations qu'on peut avoir quant à la situation familiale et en lien avec les impôts. Situation et questions et choix en PFP, on va illustrer différents choix qui sont toujours en trame de fond pour tout individu qui est intéressé par ses finances personnelles. Et finalement, nous allons conclure avec quelques exemples de questionnement de PFP. Alors, la question de la situation familiale, lorsqu'on fait une planification de retraite, doit-on la faire de façon individuelle ou de globaliser les montants, les chiffres, et de le faire globalement pour un couple? Alors, commençons par la situation la plus évidente, la plus simple, un célibataire. Eh bien, un célibataire, bien sûr, le calcul de sa planification de retraite va se faire d'une manière individuelle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on n'aura pas de possibilité de fractionner le revenu, la retraite venue, s'il demeure toujours célibataire, bien sûr. On doit comprendre que quand on parle de fractionnement de revenus, on parle de réduction d'impôts, donc un élément important de la planification de la retraite. Au niveau de l'assurance-vie, dans son sens le plus global, nous allons à la semaine 6 discuter plus en détail des différents produits d'assurance. Mais si on parle d'assurance-vie au sens large, si je suis célibataire, si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin d'assurance-vie. C'est aussi simple que ça. Situation d'un couple, c'est plus nuancé, c'est un petit peu plus compliqué de statuer. Est-ce qu'on doit faire une planification de retraite pour monsieur, une planification de retraite pour madame, ou on doit plutôt le faire de façon globale? En pratique, de façon générale, les planifications de retraite pour les couples se font de façon globale. Ceci est d'autant plus vrai si les gens sont mariés. Si le couple est marié, il est donc assujetti à la règle sur le patrimoine familial qui fait en sorte que tous les biens importants financiers, qui sont des leviers pour la retraite, sont de toute façon mis en commun par une répartition 50-50 en cas de divorce. Donc, on peut donc partir sur la prémisse qu'un couple est une unité économique qu'on peut fusionner en termes de calcul, surtout, comme je le mentionne, si les gens sont mariés et qu'ils ont une obligation l'un envers l'autre en termes du patrimoine familial. Puis les éléments importants, ce sont les éléments du patrimoine, les résidences, les automobiles, les meubles et tout ce qui est régime de pension. Alors on voit que ça englobe les éléments les plus importants et c'est pour ça qu'on est à l'aise de faire une planification de façon globale. Il y aura toujours lieu d'ajuster si malheureusement il y a un divorce par après. Il y aura un fractionnement de revenus possible. Il y a des règles fiscales qu'on regardera un petit peu plus tard qui permettent le fractionnement de revenus au moment de la retraite, ce qui réduit la facture d'impôt au moment de la retraite. Au niveau des assurances-vie, encore une fois, de façon très générale, très globale, pas d'assurance-vie nécessaire si les deux, monsieur, madame, dans le couple sont autonomes au niveau financier, ont des revenus comparables. Et si on considère que l'un des deux pouvait décéder et que le train de vie diminuerait de moitié et que les deux ont des revenus similaires, il n'y a pas besoin, a priori, d'assurance-vie. Situation familiale, le calcul peut se faire de façon globale ou individuelle, tel que présenté pour le couple, mais de façon générale, on le fait de façon globale. Famille inclut le couple ici, donc possibilité de fractionner le revenu. Et là, au niveau général, on peut penser que l'assurance-vie va être nécessaire, du moins pour les années où les enfants ne seront pas autonomes, donc seront en bas âge, seront mineurs. Amène avec la famille la question du financement et de la planification en lien avec les études des enfants. Au Québec, la scolarité est quand même très accessible, en tout cas si on le compare par exemple aux États-Unis. Alors ici, la question peut-être est parfois évacuée. Aux États-Unis, c'est un élément incontournable de la planification de la retraite compte tenu du coût
des études. Les impôts maintenant et la méthode courte. La question, est-ce que les calculs doivent se faire avant ou après impôt? De façon générale, on en a parlé tout à l'heure dans une autre capsule, de façon générale, les calculs doivent se faire après impôt. Parce que les revenus pour assumer un train de vie et faire de l'épargne et celui après impôt, compte tenu qu'on assume les dépenses, le train de vie après impôt. Pour assumer un loyer de 750 $, je dois gagner 1 000 $ de salaire si mon salaire annuel brut est de 57 000 avec un taux moyen d'impôt de 25 %. Vous pouvez valider tous ces calculs-là de taux d'impôt moyen sur les tables d'impôt du Planiguide. Ici, on a un hyperlien cliquable qui vous donne accès à ces tables d'impôt. Alors, compte tenu que le train de vie est normalement quantifié, budgété en dollars après impôt, il faut bien sûr faire tous les calculs de revenus après impôt. Ça, c'est la règle générale. D'autant plus que le taux d'impôt peut être différent et devrait être différent au moment de la vie active versus le moment où on prend notre retraite, puisque le train de vie est réduit, donc les revenus nécessaires sont réduits. Alors, le taux d'impôt d'un système progressif est réduit d'autant. Si on ajoute la possibilité de fractionner le revenu entre conjoints, on parle d'une facture d'impôt qui est significativement plus basse à la retraite. Donc, pour ces raisons, pour une précision, il faut utiliser des taux après impôt. Par contre, avec une méthode courte où on souhaite faire une approximation générale, il est possible de faire des calculs avant impôt. En autant qu'on compare des pommes avec des pommes, dans le sens qu'il faut comparer tous les paramètres avant impôt à ce moment. Donc, si on travaille avec des revenus avant impôt, il faut absolument être conscient que l'approximation est moins précise. C'est acceptable de faire ces calculs avant impôt si toutes les variables sont avant impôt, incluant le train de vie. C'est là que ça se joue. Alors, dans la donnée, dans l'information, il faudrait que l'information soit donnée, par exemple, de la façon suivante. Le train de vie du client correspond à 90 % de son salaire brut. Alors, si on a l'information du train de vie sur une base avant impôt, il est tout à fait correct, en approximation, d'utiliser la méthode courte et de mettre tous les paramètres avant impôt. Si on parle des choix qui existent en planification financière personnelle et des différentes questions qui en découlent, on peut dire que dans sa plus grande globalité, toute situation qui implique un déboursé qui est soit significatif en dollars ou en fréquence, un déboursé quotidien, ces éléments sont des choix. Ces éléments ont des impacts sur la planification financière, sur la planification de la retraite, qui amène un choix d'adhérer à ses dépenses ou de ne pas adhérer à ses dépenses. Alors, qu'est-ce qui est significatif en dollars? Les grandes dépenses d'une vie, pour la plupart des gens, se situent au niveau de l'habitation, la maison, chalet et les véhicules. Les véhicules, par la combinaison de coûts élevés et de fréquence, il y a quand même une fréquence associée à l'achat de voiture, et surtout que c'est un investissement zéro. Ce n'est qu'une dépense. Il n'y a aucune récupération possible sur une voiture. On s'entend tous là-dessus en planification financière. Maintenant, les dépenses qui sont significatives en fréquence, mais qui ne sont pas nécessairement de grosses dépenses à la fois. Ces dépenses sont sournoises et l'effet est très important sur la planification d'une retraite. Alors, des exemples, il y en a plein. Quelques exemples de montants de débours qui peuvent être fréquents, qui peuvent amener un gros déboursé en bout de ligne. Les adeptes du restaurant. Le restaurant, bien sûr, c'est un endroit par excellence pour engloutir une bonne partie de notre salaire. Même des gestes anodins comme prendre 2 cafés par jour au Starbucks. Si on parle de 20 jours ouvrables par mois, 10 $ par journée, on parle de 200 $. Ben, 200 $ que l'on épargnerait au lieu de prendre des bons cafés Starbucks, c'est sûr que c'est moins excitant, c'est moins stimulant. Mais ça fait en sorte que 48 ans après, on a accumulé 1 million de dollars. Alors, c'est pour montrer que même dans les gestes banals du quotidien, on fait des choix de PFP en prenant, par exemple, ici,
deux fois deux cafés Starbucks par jour, ben on fait le choix de pas devenir, de pas capitaliser 1 million de dollars sur 48 ans. Alors, des exemples, d'autres exemples de planification financière personnelle, des exemples qui sont présents, qui sont tout partout dans notre environnement de vie personnelle. Alors, on a une voiture qu'on souhaite acheter ou louer. Comparer les options de location et achat de véhicule. Est-ce que c'est véritablement le même scénario? Quelles sont les différences? Alors, c'est un sujet qu'on va aborder durant la session ensemble. Comparer les scénarios d'investir dans un REER versus le remboursement anticipé de l'hypothèque. Je reçois un héritage imprévu de 20 000 $. Qu'est-ce qui est mieux? Récupérer mes cotisations inutilisées de REER ou rembourser de façon systématique avec le 20 000 $ l'hypothèque, bien sûr, s'il n'y a pas de pénalité associée à un remboursement anticipé de 20 000 $. Alors, il y a une analyse financière, il y a une planification à faire sur cette question. Autre questionnement, évaluer la possibilité de loyer ou d'acheter un chalet. Qu'est-ce qui est mieux? Louer le chalet ou acheter un chalet? Il y a un paquet de facteurs à considérer et surtout, il faut sortir, déboulonner les mythes qui diraient que si je loue plutôt qu'acheter, je vais payer dans le vide. C'est archi faux, c'est tout à fait faux. Ça dépend toujours de ce qu'on fait avec l'argent qu'on épargne, entre guillemets, en louant plutôt qu'acheter. Alors, on va aborder toutes ces questions d'habitation un peu plus tard durant la session. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans une situation donnée? Et c'est souvent, parfois plutôt, du cas par cas. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un REER ou un triplex? Un REER, c'est un abri fiscal, les revenus se font à l'abri de l'impôt. Le triplex, bien, les revenus sont imposables à chaque année. Par contre, on a l'amortissement, la déduction pour amortissement pour amoindrir les revenus et reporter l'impôt de cette façon. Alors, il y a des analyses à faire dans ces questions. Combien faut-il épargner pour financer les études des enfants? Hein? Quel véhicule est préférable? On peut penser que le régime enregistré d'épargne études, c'est le meilleur véhicule et ça l'est dans les faits, mais on va étudier la question, on va pousser cette situation pour en faire une analyse rationnelle et complète. Question qu'on entend souvent, la RQ, on verra un peu plus tard, qu'on peut la prendre à partir de 60 ans, mais on n'est pas obligé. La rente à 100% se marchande à 65 ans, mais on peut aussi la rapporter, la prendre à 70 ans. Alors, il y a des questions financières associées à ça. Est-ce qu'il vaut mieux prendre sa rente de la RQ à 60, 65, 70 ans ou une autre année, 66 ans, 67 ans? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre tout au long de la session. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une assurance-vie temporaire ou permanente? Pour l'instant, ceux qui n'ont jamais été en contact avec l'assurance-vie, vous ne voyez pas la différence, vous ne savez pas les nuances. C'est ce que nous allons voir ensemble. L'assurance-vie, on va l'étudier à la semaine 6.